Hey tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un hors-série, le quatrième sur One Piece Pirate Warriors 4. Et on part tout de suite en mode rêve. Nous allons prendre Marco. Donc je vais tester 3 persos, enfin je vais vous montrer 3 persos. Quand on débloquera Magellan, Moria et Fujitora. Oui, on va faire 3 personnages aujourd'hui. On va commencer tout de suite par Magellan. Donc bien sûr, on va tenter de l'avoir en S. Tout le tralala. Alors quelque chose peut-être que je vous avais pas montré avant, mais c'était les choix des techniques. Donc on pouvait mettre des aptitudes supplémentaires au personnage. Par exemple pour Marco, ce qui est très intéressant, c'est la connaissance des combats aériens. Donc il fait beaucoup de techniques aériennes. Les dégâts sont donc accrus pour lui. Ce qui est donc deux fois plus intéressant. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Voilà. C'est parti. Donc ça c'est les spéciales de Marco. Ça c'est la combo full carré. Donc à chaque fois que je commencerai par ça, ce sera une variante, hein, full carré. Et ça, c'est un combo triangle. Combo triangle que... Nice. Combo triangle que... Je varie souvent entre les deux versions. Waouh, il m'a stoppé en plein air. The fuck. Je vais calmer tout de suite Magellan. Voilà. Ah, par contre c'est Franky que j'ai. Oh, j'ai aimé. Je sais pas encore. Oh. Ok, très bien. J'ai battu Magellan. Merci. Oh, limite, on peut le laisser prendre la base après. Là, le R1 c'est ça. Vous pouvez enchaîner les combos en aérien. Je trouve ça très stylé par exemple. Ah, t'as vu ton mépris. Du coup, il y a beaucoup de gens. Yes,
Wow. Sérieusement? Tu vas te calmer tout de suite. Ça, c'est n'importe quoi. Voilà, tu te calmes. Bien, les ennemis que je déteste le plus. Oui, eh, ça va être compliqué quand même. Ouais, ça risque d'être compliqué. Hein. D'accord, moi je viens d'un temps à partir. Ok, tu te calmes, Kuro. Il est où? Voilà. Ok, on va aller battre vite fait Magellan. Un minute, on va d'abord battre Magellan pour... Ça fait art stopper. Mais... Quels sont les combos qui se prolongent encore? Je crois que celle-ci elle se prolonge, ouais, voilà. Oh, c'est de la merde. On peut déactiver la super. Pas grave. Ouais, j'aurais pas dû. Pas du tout. Voilà. Ok. Très 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 impressionnant cette technique, sérieusement. Et Marco. Ah, on va éviter de trop faire ça dans la base. Parce que je crois que j'en ai en besoin. Ah, nice. Teach qui vient apparaître. Oh, Teach a été débloqué. スーパー任せろ!
Ok, très bien, Teach. C'est comme là. Donc je trouve ça très plaisant de jouer Marco. Il a un gameplay différent. Beaucoup de techniques aériennes en fait. Après je vous montrerai Smoker. C'est semi-aérien. Il y a quand même beaucoup de techniques aériennes à Smoker, mais... c'est très différent aussi. J'aime pas les territoires qui se prennent trop vite comme ça, par exemple. C'est parti. Ok, donc si je peux pas faire 4 coups pour le moment. Okay. On va faire le balayage de la zone, je crois. Nice. On va essayer de remplir nos fichus. Oh, je crois que je vais le battre. Il s'est mis devant moi. C'est pas grave. Ça remplit même pas la jauge. Oh, je suis dégoûté. Ah bah c'est bon, nous l'avons en S. C'est vrai que quand tu nettoies une zone avec une super, c'est complètement n'importe quoi. Ce qui est bien avec Marco, c'est que vous pouvez prolonger ses combos. Quand vous êtes... En fait, vous pouvez prolonger les combos quand vous faites le R1 aussi. Attendez. Oui, c'est ça. Ok, on va activer directement la première. Une rush. Ouais, c'est comme une zone pour le battre comme ça. On va tester. De toute façon, on a une zone jauge qui vient de remplir s'il faut. Allez. Ça se montre puissant. Sincèrement, trop puissant. J'adore Marco. Ok, voilà encore un autre S. On a maintenant tout débloqué. Ah, on a débloqué maintenant Magellan plutôt. Cool ça. Ok, très cool tout ça. Donc voilà. Donc on se retrouve dans quelques instants le temps que je change de personnage. A tout de suite les gens. Et re tout le monde. Voilà, donc j'ai changé de personnage. On a pris Jinbei cette fois-ci. On va faire Moria. Après je crois que je vais prendre Smoker pour Fujitora.
C'est la première fois que je vais utiliser Jinbe. Enfin, dans le 2, je l'avais déjà utilisé. Je l'avais déjà joué, mais pas énormément. Ici, on va voir s'ils vont changer des mécaniques de gameplay, je crois pas. On va aller choisir les techniques aussi avant. Ça, c'est très intéressant. Ça aussi. Et une dernière, celle-là. Ouais, on peut mettre deux pièces en plus, ça c'est cool, comme ça on aura les quatre et c'est parti. Donc la map du Thriller Bark est très grande, on a Fujuka qu'on va garder. Fujitora. Waouh. Donc ça c'était le pic. Ok. Sérieusement, les techniques de Jinbe sont assez what the fuck, mais elles sont excellentes. Qu'est-ce qu'il veut faire? Ok. Ah ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc le style de gameplay de Jinbe, c'est très très lent, mais c'est très plaisant. Surtout faire pop un requin. Tout faire pop le requin. Ah oui, cette technique-là, elle est géniale. Cette technique-là, je la trouve géniale. Ok, c'est parti. Première rush Kizuna. Vraiment, cette technique est géniale. Première technique. Ah ouais, très bien. On va quand même la vie du vagabond. La vie du vagabond est quand même mieux. Parce que le coup de pied circulaire, c'est pas... Ok. Celle-là est très très longue comme technique. Là est vraiment pas mal de technique.
C'est le carré, triangle, triangle. Celle-là sera beaucoup mieux au très très corps à corps. Waouh, j'en voyais valser. Truc de fou. On peut laisser Aralong capturer là pour avoir une base en plus à capturer. C'est pas plus con ça. Ouais, c'est pas plus con ça en fait. Qu'est-ce qu'il y a de neuf? Oui, par rapport à la chaîne. J'ai fait une page Facebook et j'ai un Twitter que maintenant je vais m'en servir pour mon YouTube. Tout simplement, si vous avez des questions à me poser ou me donner des commentaires ou autres, vous pouvez me les poser maintenant en message privé, par exemple sur mon Facebook ou sur mon Twitter. Donc les liens seront dans la description bien sûr, ainsi que sur l'outro que vous pouvez retrouver comment on retrouve ça, les URL. C'est moi ou Apple a battu Aralong? J'ai pas bien vu donc je crois qu'Apple a battu Aralong. Sans pression. Maria Boss. Donc on va d'abord s'occuper de cette base-ci. J'aime pas cette combo là, elle est très 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 longue. Ok, donc Moria est là. Il va se prendre une de ses patates. Un de ses coups de pied arrière. Tu vas voir, toi. Oh, la patate qui s'est pris. Ça c'est nice. Pour enchaîner avec une météorite de... Et puis j'y Vraiment, c'est génial, quoi. Mmh.
Et pas trop. Waouh. Il est là. Il est là. C'est la première fois que je le trouve aussi rapidement le joueur caché. Chaque fois il se cache à l'autre bout de la map. Ça tombe des fous. C'est pas ça. Ça fait beaucoup de dégâts. Bientôt le S. C'est sûr, vous avez un requin géant qui vous pop comme ça devant vous, je crois que vous vous demandez où est-ce que vous êtes, quoi. Imaginez quand même le... Allez, imaginez. Vous avez un requin qui vous pop comme ça devant vous. Et qui vous fait max dégâts. C'est juste génial. Moi juste faire ça. Allez. Pas tant. Pas tant Kisan. Je vais te donner un petit coup de pied arrière, tu vas voir. Voilà. Qui j'ai d'autre? J'ai qu'on voit pas l'avec. En plus. Oh. Oh. Ok, maintenant ça fait quoi? Ok. Te calme, Myok. Tout de suite. Fugiterai avec un perso comme moi, c'est venir à retrouver. Ok, donc là c'est Moria, boss final. Vas-y, dis-moi qu'il y a un chef. C'est relou ça.
Oh mon dieu, il faut aller tabasser Moria. Moria, viens! Je vais pas te frapper. Je vais juste te mettre une grosse quenelle. Hop, je vais jouer ça, on peut jouer ça. Ça dure trop longtemps. Ok Maria, tu veux jouer à ça? On va jouer. Tu te calmes, Moria. Tout de suite. Voilà. Se faire battre par un requin géant. Honte à toi. Complètement honte à toi, Moria. Tu viens de te faire battre par un requin géant. Et voilà. Encore un S. On a débloqué Moria. Ok, très bien. Ok, donc on se retrouve tout de suite pour le troisième personnage. Je reviens un instant. Et voilà, donc on se retrouve cette fois-ci avec Smoker et on va combattre Fugitora. Et ainsi débloquer aussi une nouvelle zone pour le mode rêve. Je sais pas c'est laquelle encore cette combo. Sinon je l'aurais bien mis mais. Ok, un truc qui est plus intéressant pour lui. Oui, des choses beaucoup plus intéressantes. Ça par exemple. Et ça. Ok, on est parti. On peut foirer ça. Oh, ça va, il est dans plein dedans. C'est un truc de plus. Là, ça devrait être bon.
Sérieusement? Voilà. Luffy ou Bellamy, je ne sais pas encore, on verra. Ouais. Vous vous calmez tous les deux. Je sens que c'est Bellamy que l'on va battre. Oh, le fil, c'est un truc de fou. Voilà, donc le fil, tu te calmes maintenant. Ouais, c'est une planète intéressante. Donc Smoker, il y a aussi pas mal de techniques aériennes. Je crois que la technique des combats aériens est intéressante sur lui. Super Luffy, tu vas aider la marine. Il est intéressant dans Smoker parce qu'il a une technique particulière pour lui qui fait que de temps en temps vous avez des ennemis qui sont emprisonnés dans des nuages. Ce qui les ralentit et les emprisonne en fait. J'aurais dû être plus près. Beaucoup plus près. Ça va faire son taf quand même. What? What the fuck, Phil? Ah, très bien. Ok, connerie de ma part. Donc je couperai ça, je crois, au montage pour. Et re tout le monde, donc après ce fail, on repart combattre Fujitora avec Smoker. Incroyable. Ouais, non, de toute façon j'étais trop mal parti, je trouve. Oh, il y a Nomé. Nomé est un très bon support. Oh, le Minou est là. Il y a l'air d'avoir beaucoup plus de monde. Un peu loin, je crois, la danse du vide. Tu te calmes, Mino, tout de suite. Retourne dans ta prison. Merci. Ouais, il s'est fait battre. Très bien, on va s'occuper de l'autre. Ouais,
Ok, faut que je termine mes combos par inscrit en vrai. J'ai ça, hein, que je fais les... Ouais, c'est ça. Tu fais la combo... Wow. En PG 0. J'ai vraiment que je. Maintenant je lis les. Les adaptations parce que sinon ça va pas le faire. Ok. Ouais, ok, directement sur leur technique. Ok. C'est trop mauvais ça. Ah, enfin. Battre Fujitora. Ok, on va le faire direct. Je voulais pouvoir prendre les bases, ça me fera... Les bases à récupérer. Donc un instant, juste je reviens tout de suite. Ok, on est reparti. Outil White Hand, ce sera pas mal. On va peut-être quand même le battre. Ah non. Avec la combo peut-être. Nice. La zone monnaie, elle est trop bien. Je disais que ce serait peut-être plus facile d'avoir un S là, mais en fait non, pas du tout. Ok, il y a des unités qui commencent à spawn. Voilà. Oh, les trois sont réunis.
On va essayer de faire une paire de coups. Voilà. Te calme Sanji, tout de suite. Et une petite zone du gîte pour le terminer. Ou presque. Voilà. Maintenant t'as Kaku qui vient d'arriver. Voilà. Qui j'ai d'autre avec moi? C'est personne d'autre qui est intéressant, on va dire. Ok, ça c'est fait. Ouh, il est vénère maintenant. Il est plus. Il s'est fait calmer le chat. Voilà Lucie. Ok. Donc on est à la fin. Il tente de voir si on peut faire un S ou pas. Ceux qui sont pris dans le nuage de Smoker ne sont pas... ne sont pas projetés par les boules de neige de monnaie. Bon à savoir. Allez hop.
joueur. Probable de capturer, normalement c'est toujours facile d'ouvrir le S. Mais bon. On ne sait jamais. Voilà pourquoi. Ok, bon, on va le capturer, ça là-bas. Ok, donc ils n'ont plus ce territoire-ci. Non, si on fait la plus triangle aussi, ça devrait marcher. Ouais. Hop. Je les rassemble en fait. Hop. Non, ça devrait faire, hein, surtout si je fais une tech cuisine à la base. Voilà, ça devrait largement faire. Ok, donc on a le S aussi. Plus on a battu trop l'ennemi. Ok, on a le S à coup sûr. C'est par là. Wow, il est en train de nous malmener là. Ok. Tu te calmes, Fujitora. Tu es puissant, tu es badass, mais tu te calmes. Donc vite pour enlever la dernière barre qui te reste. Voilà. On va tomber ça directement avec le Roy Hand. Et une compétence du vite pour te finir. Voilà. C'est fait. Et nous avons encore un triple S. Nous avons débloqué Fujitora. Nice, on a une nouvelle pièce pour Smoker. Plus la technique de Smoker spécifique à lui au max. Oui. Ça c'est fait. Et le chasseur blanc plus plus que nous avons débloqué. Et voilà, tu éviteras de débloquer. Et une nouvelle partie de la map qui vient de se découvrir. Voilà. Donc la prochaine fois que l'on se retrouvera, ben, on fera Don Flamingo, je crois. Don Flamingo et Barbe Blanche. Ouais, on fera ça. Donc voilà, donc il y a une bonne partie de la map encore qui s'est découverte. Enfin. Parce qu'avec les multiples bugs que j'ai eu pour l'épisode 18, ça m'a bien saoulé. Donc là, ça me fait bien plaisir d'avoir avancé sur le mode rêve aussi.
Donc voilà. Donc j'espère que cette hors-série vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le like et le commentaire en bas de la vidéo, de vous abonner à la chaîne, de me suivre sur Facebook et Twitter aussi maintenant, comme je vous ai expliqué en vidéo. Allez, salut tout le monde, à la prochaine, bye!